Bonjour, aujourd'hui je vous propose une ronde EFT sur l'annonce du déconfinement et tous les sentiments mitigés que l'on ressent, que l'on a ressenti face à cette annonce. À la fois content que ça se termine et puis anxieuse à l'idée d'être malade, de le rattraper, de la seconde vague. Enfin, c'est tous ces sentiments très très mitigés. Donc, je vous suggère de répéter après moi ce que je vais vous dire en tapotant en même temps que moi les poings. Point karaté. Même si je ressens tout ce mélange d'émotions, peur, bonheur, quand je pense à ce déconfinement prochain, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai peur que la vague de contamination reprenne. J'ai peur d'être malade. J'ai peur que mes enfants soient malades quand ils reviendront en classe. Est-ce bien sérieux ? Puis on entend tellement de choses de tous les côtés, je ne sais plus où j'en suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et je fais toujours de mon mieux. Tout ce mélange d'émotions dessus de la tête. Quand j'ai entendu cette annonce, début du sourcil, à la fois je suis heureuse que ce déconfinement arrive, et j'ai la peur qui revient au galop. Coin de l'œil. Est-ce bien raisonnable? Sous l'œil. J'ai vraiment peur que le Covid revienne à l'assaut. Sous le nez. Je suis terrorisée à l'idée de le choper, d'être malade. Sous la bouche, et si mes enfants l'attrapaient quand ils rentreront à l'école. Point clavicule, et moi aussi, quand je vais rentrer, quand je vais reprendre le travail. Sous les bras. Puis en plus, on nous dit qu'il faut des masques. Il y en a qui disent qu'il n'en faut pas, mais je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui croire. Dessus de la tête, je suis perdue avec tout ce que j'entends dans les médias. Début du sourcil, toutes ces nouvelles contradictoires. Coin de l'œil, certains nous disent qu'il faut rester confiné. Et d'autres nous disent le contraire. Sous l'œil. Puis en plus, je peux pas rester sans travailler.
Ça va bien un moment, mais faut être logique aussi. Sous le nez, j'ai peur. Je ne sais plus où j'en suis. Sous la bouche, et en fin de compte, je sais même pas de quoi j'ai peur. Peur de rester confinée? Peur de reprendre le travail? Clavicule, je sais plus où j'en suis. Mes pensées sont confuses. Je ne sais plus qui croire. Sous le bras, et c'est bien normal d'avoir peur. En haut de la tête, surtout avec tout ce qu'on entend. Toutes ces nouvelles alarmantes. Début du sourcil. C'est bien normal d'avoir peur quand on dit que ce sont les enfants ou les regroupements de personnes qui transmettent le Covid. Coin de l'œil. Et c'est bien normal d'avoir peur quand on nous dit qu'il faut des masques et qu'il n'y en a pas de disponible. Sous l'œil. Mais la vérité, c'est que le Covid n'est pas plus grave que la grippe que l'on a chaque hiver. Sous le nez. La vérité, c'est que les médias en ont parlé 100 fois plus que de la grippe. Et pourtant, il y a autant de morts que d'avec une grippe. Le menton. La vérité, c'est que chaque hiver, quand il y a la grippe, je m'en fais pas autant. Et pourtant, il y a autant de morts, il y a autant de malades. Clavicule. La vérité, c'est que si on en a tant parlé, c'était surtout parce qu'on ne voulait pas que tout le monde soit malade en même temps, pour éviter d'engorger les hôpitaux. Sous le bras. La vérité, c'est que si je l'ai, et encore, c'est pas sûr que je l'ai, j'ai de grandes chances que ça ne se passe, que ça se passe juste comme une grippe. Que je sois arrêtée quelques jours, à plat, et puis c'est tout. Dessus de la tête. Puis la vérité, c'est peut-être que je l'ai déjà eu sans m'en rendre compte. Puisque 80% des personnes la déclarent juste sous forme d'un rhume ou d'un syndrome grippal. Coin du sourcil. Donc, je m'autorise à peut-être envisager que je ne risque rien. Coin de l'œil, je m'autorise
à peut-être. Acceptez que ce n'est pas plus grave qu'une grippe. Sous l'œil. Et que je peux peut-être lâcher cette peur irraisonnée. Sous le nez. Me libérer de toute cette angoisse. Sous la bouche, parce que en vérité, le Covid n'est pas plus grave que la grippe que l'on a chaque année. Et je m'autorise le clavicule, et je m'autorise à peut-être me libérer de toute cette peur qui m'étreint et m'envahit. Sous le bras. Maintenant, buvez un peu d'eau, fermez les yeux, prenez une grande respiration et regardez ce que vous ressentez. Si cette peur, cette angoisse, cette confusion est toujours là en vous, ou si elle a diminué, ce que je vous souhaite. Maintenant, je vous conseille de faire cette ronde, de continuer avec vos mots jusqu'à ce que votre niveau d'anxiété ait baissé, se soit calmé. Et pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai. C'était Françoise Boutet pour équilibrancecoaching.com. À bientôt.